la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Amen. À ton esprit. Bon Dieu, merci. Et nous sommes vraiment le dimanche 16 octobre 2022, soit la 16e journée du mois de Pentecôte volontaire. Et matin, on a dit, fait cœur content. Et nous sommes en somme de louanges. La Miss l'a dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie pour tous, habitants de la terre. Amen. Servez l'Éternel avec joie. Et venez avec allégresse en sa présence. Amen. Et c'est dans l'esprit ça. Approchons-nous avec un cœur vraiment sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une manière consciente et les corps lavés d'une eau pure. Nous-mêmes, peuple élu, nation sainte, sacerdoce royal, eh bien, nous avons gardé tellement, nous voyons que c'est un thème. Et qui nous appelle à la purification et au respect des choses sacrées à l'Éternel. Et donc, le formateur, il se grâce à côté de nos jeunes tellement, et il dit non, et verset 8, verset 28, le formateur dit non, vous êtes consacrés à l'Éternel. Les ustensiles sont des choses saintes et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, les dieux de vos pères. Et Jean dit là, il est aussi écrit dans l'épître de Paul aux Hébreux, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde de trouver grâce pour être secouru à nos besoins. Bien-aimé, en pile foi, et avec en pile mépris, en pile tant pis souple, vraiment pour nous rachons bail dans nous, pour nous bail, et peut-être parfois nous ne pouvons pas combien de tracteurs pour nous mettre dans la poche, dans la bourse, nous, pour nous conscientiser nous. Bien que des monde qui fait lui dans un esprit pour lui tirer à faire lui, mais en pile fois, en pile métaphore, en pile bluff tout pour nous, et puis pour nous conscientiser nous, pour nous participer dans la moisson, pour nous vraiment contribuer à notre travail ici. Et c'est avec en pile qu'est serré. Et les nous garder dans l'époque nécessaire, l'époque Néhémie, prendre des grandes décisions pour la reconstruction du temple, du muraille de Jérusalem, eh bien, à l'époque, c'est pas à l'époque qui côté que tu gagnes Jean Mouniodia, qui te gagne gros industrie qui t'a brassé, qui te gagne pile l'argent, qui te gagne toute l'attitude que nous gagnons là. Après transfert vivement par CAM, transfert Interac, la ISAO, ZEL, CACHAP. Mais c'est une époque, à l'époque que vous êtes là, dit, de faire déclaration ça, c'était une époque, c'est sans rien pour te venir. Et mon yo était vraiment obéi, pour contribuer. Pour faire travail là. Et sans contrainte. Car, et la Bible déclare quelque part, dans Actes, chapitre 20, verset 35, Baron, c'est que la Bible dit nous, il y a plus de bonheur. Il y a plus de bonheur. Les wabayes, que leur recevoir. C'est ça la Bible déclarée dans Acte. On a cherché verset à vous et pour nous baouler dans Acte chapitre 20, verset 35. Oui, c'est ça. Je vous ai montré de toute manière
que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et bien aimé, les nabailles, nous pas bail bien des fois pour moisson à marcher bien des fois et l'on garder na esprit Seigneur dit là et là et nous bail non seulement pour faire travailler à marcher mais nous bail pour supporter mutuellement et l'autre il a été créé à l'image de Dieu et la Bible même dit, et c'est à même dit, qu'à chaque fois et toutes les fois que vous avez fait des gestes à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faits. Bail sans contrainte. Et à quoi Jean-Pascal t'a dit, ordinairement, nous considérer gens que pour nous contribuer avec le travail CEA, et là seulement, n'a pas aller maintenant proche, n'a porté des choses matérielles, vignes, mais pas oublier tout, ou même tout. On sait au monde consacré. Bon Dieu, relève, les purifie, les mette au niveau, ou même tout. Non seulement, ou baille tout ou même, mais dans ça qui lui permet, les bonnes santé, lui permet au travail. Eh bien, demander aux prémices pour porter ma contribution au travail CEA. Et en pile fois, ne nous pas appliquer, ne nous pas faire ça, ne nous pas faire preuve d'obéissance, et monde qui obéit à la parole de Dieu, que bon Dieu béni, que bon Dieu délivré, parfois nous-mêmes encore, nous jaloux des sols. Et c'est ça qui passait. Il y a un gros événement qui passait dans Genèse 4 qui dit même coup qui t'apprend à déboucher sur la mort Abel côté Caïn pour le tuer frère parce qu'il était jaloux parce que dans irrespect non j'aime t'a dit nous au commencement non seulement rappelez-nous à la purification, mais les rappelez-nous également au respect des choses sacrées et nous-mêmes pour nous respecter mon Dieu. En plus, une fois, on voit qu'il y a des bagailles, nous l'avons porté par CEA. Dernièrement, nous avons regardé dans une église qui est sous les yeux en Haïti, côté pasteur, il y a des gens qui étaient bail avec Kobio dans enveloppe qui vient non écrit sur yo il dit relé publiquement il dit comme ça au côté comme sale ça au côté a chirer ça nous pas besoin pour mettre tourner avec il fait honte et des fois c'est bagay qui insignifiant bagay qui n'ont pas besoin bagay qui n'ont pas qui pas gain valeur c'est yo nous bail bon Dieu nous dérespecter ces dîmes là. Or lui-même, lui va nous sans complainte, lui va nous sans réserve. Mais là que nous gagnons, nous nous faisons geste pour travailler à avancer. C'est là nous gagnons. Là arrivé, c'est là nous gagnons un projet sur ça que nous te promettons là. Eh bien, les Abel pour aller offrir sacrifice. Il était choisi pour bagaille des valeurs. Il était offert mettre là. Et volontairement, il mettre là, tout un plaisir là-dedans. Eh bien, jalousie, ça le fait, eh bien, il faut commettre pour qu'il y ait une chaîne de barbarie et de criminalité, ça, que le monde n'a jamais connu. Comme pour qu'on gagne des cours de cassation, cours suprême à l'époque, eh bien, bon Dieu lui-même était tranché sous situation. Hein. Eh bien, M. Gain est tourné un errant dans le pays côté hier. Donc, mes bien-aimés,
prêtre là dit nous, vous êtes consacrés à l'Éternel, ces ustensiles sont des choses sacrées, des choses saintes. Cet argent or est une offrande volontaire à l'Éternel, et Dieu de vos pères. Donc, vous êtes consacrés à l'Éternel. Et ma bien au matin, et vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes des vases d'honneur. C'est que dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Paul à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 20, et dans 2 Corinthiens 4, verset 7, nous avons cherché verset A, 2 versets A, et nous allons prouver, mes bien-aimés, côté que dans 2 Timothée chapitre 2, verset 20, a continué, la parole de Dieu déclare: dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et d'autres sont des vases, sont d'usage vil. Donc, maintenant, nous ne savons pas qui soyez. Maintenant, on fait partie des vases d'honneur. On fait partie des choses, des ustensiles consacrés pour servir mon Dieu. Et serviteur, après le continuer, il dit: si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié suite à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est pour ça, c'est pour ça, rappelez-nous. Il dit nous, puisque nous sommes monde consacré, ou c'est vous pouvez choisir, eh bien, il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur. Bien que plus, repousse les discussions folles et utiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance de Dieu leur donnera la récompense pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenir à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voilà. Donc, là, elle n'a pas arrêté seulement sur le plan matériel, côté à mando pour contribuer au travail CIA, mais ou même, qui sont au monde consacré, et là, on a dimension ça, on a niveau ça, mais à propos de mando, nous, on fuit tout bagaille qui a souillé nous, qui a retiré nous, parce que nous serions partis. La purification fait partie intégrante de au monde consacré. Mais tout bagaille qui a attiré l'adversaire vient éloigner loin de la face de Dieu pour fuir. Approcher, bien la foi, bien Saint-Esprit, qui c'est le centre de gravité spirituelle de yon chrétien avec mon Dieu. C'est pour cela, apôtre la rappelez-nous. Et un peu avant, il était adressé au peuple de Corinthe, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, il nous dit nous, que nous cherchions le verset A. Et ce vitrage déjà dit nous, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc, nous pas appartenir à nous-mêmes. Et parfois, cet esprit utilise nous comme des catalyseurs pour nous ramener nous à Dieu. Et nous pas capables de faire nous-mêmes. Parce que ce n'est pas bon Dieu qui va nous permission ça. Parce que c'est pour ça
yo moins de nous, nous avons onction, nous avons travail pour nous avoir plus onction pour nous arriver dans la dimension ça. Et tout ceci, mes bien-aimés, c'est pour vous dire, monde consacré à son mis à part. Parfois, nous ne pas comprendre la dimension onction. Parfois, nous tomber dans toute souillure. Parfois, même bagaille que nous devons nous comprendre, là que nous dit tel bagaille, telle chose, tel ustensile, tel instrument, nous choisissons, nous baillons à bon Dieu, nous baillons à l'église. L'église prier sous lit. Nous consacrer le service de Dieu. Nous pas le droit d'utiliser à l'autre, à autre fin. Parfois, et des fois, instrument l'église là, parfois, table Saint-Sernant, nappe qui n'a fait offertoire, n'a couvert offrande, etc. Et n'a fait Saint-Sernant, parfois nous utilisons à d'autres fins, à des fins personnelles. Nous pas de respect pour bon Dieu, son non-respect, nous irrespectueux, nous irrévérencieux, nous tout. Nous ramassons toute notre qualification. Donc, l'on bagaille consacré à l'Éternel, depuis l'instrument, l'instant-là, il est consacré ou pas qu'à utiliser n'importe comment. Je dis, la démocratie a tellement l'âge, nous tellement habitués à bon Dieu. Parfois, on a besoin du feu, sans nous pas comprendre, sans nous pas connaître. Et peut-être ça, il y a un pile malheur, il y a un pile dégâts dans l'état de nous. C'est le monde consacré. Ce n'est pas un monde consacré. Et nous jouons à travers la Bible, beaucoup dans le consacré. Le monde en soi de la promesse, le monde qui est bon Dieu, qui est en train d'exercer un régal sur l'île, qui est en train de réclamer. Et nous, parfois, l'Éternel fait des grands. Nous sommes là, des gros dégâts. Qui fait, parfois, mon satellite a gagné une sauce sous lui. Et puis, il jouait avec promesse-là. En plus, fois, malheur est venu. Et si nous regardons l'histoire de Samson, à travers la Bible, il y aurait le Samson qui s'est n'arrivé rien. C'est-à-dire que son aide était consacré depuis un grand moment. Dans juge, chapitre 13, verset 7. La Bible va parler de l'histoire de Samson. Le verset 7 là, il dit, mais il m'a dit, d'après sa révélation familiale, d'après annonce qui était faite, et l'Éternel te dit, réclamé, consacré au service lui. Eh bien, dans l'histoire, dans la narration, et après, et bien, il dit, mais il m'a dit, tu vas redevenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Donc, voilà. Vous connaissez toute l'histoire qui s'est arrivé à Samson. Parce qu'il jouait avec un sacrement. Parce qu'il jouait avec une promesse. Donc, là, on parle nous, de consécration. Son bagage extraordinaire. Son bagage pour nous mettre accent, pour nous accentuer sur lui. Pour nous jouer avec eux. C'est ça que, en pile fois, nous perdons dans l'autre là. Nous désappointer. Parfois, promesse qui sont nous, hein? Eh bien, nous jouer avec consécration. Hein? Nous rater cible-là. En plus, fois, le Seigneur servir avec nous. Et nous jouons encore Jérémie, le grand prophète
de la Bible, dans Jérémie 1er, côté de l'Éternel, et réclamer Jérémie, de verset 5 à continuer, dans Jérémie 1er, tout fait partie du monde qui est consacré à l'Éternel. Maintenant, il dit, la parole de Dieu adressée en ces mots, avant que juste formé dans le ventre de ta mère, que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu puisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi pour faire des nations. Donc, au même qu'il a sur Light and Peace Ministry, parfois, il y a des gens qui disent, c'est frère tel qui m'aime, c'est frère tel qui invite, mais on par contre depuis qu'il est à notre en fait place où il y a ou pas qu'à sortir comme ça, c'est pas au plus petit tête là, c'est bon Dieu choisi. Je veux dire, ou on souligne ou on peut qu'on prie ou qu'on baille en bénédiction, pas besoin de battre tête ou rester dans le programme bon Dieu. Pas pour n'importe quelle fois adversaire à vous et moun, il nous a pas ça. L'homme a pris les visas attaqués ou les places devant, c'est la place derrière ou mettons, parfois hocher ou parfois vous priez avant de prendre place, avant de prendre position. Ou même dans le bas de corps, dans la chèche colonne, dans le site en bas ventre, tel qui va même venir sur l'église, venir sur prier, qui va même consacrer ou à jouer avec fonction. Ou perdu adresse ou c'est dans l'église qui a passé un tel parce que j'ai trop favorisé. Mais c'est là le CMT, c'est là mon message qui va le délivrer, mon annonce que bon Dieu gagne pour vous. C'est peut-être dans la bouche au prédicateur, dans telle adresse, dans telle église. Donc, monde consacré à ou pas marcher suivant volonté ou. C'est ça que vous offrez comme un sacrifice, comme une offrande volontaire. Et malheureusement, nous ne pouvons pas peser sur moi. Même dans la prière, même dans la prière, type prototype de prière, notre Père qui est aussi que ton nom s'en que ta volonté, parfois ta volonté, nous voulons pour passer avant. Mais pas oublier, le cœur de l'homme a beaucoup de desseins. Mais c'est toujours la volonté de l'Éternel qui finit par triompher. Et nous joignons le jeune Samuel, fils d'Elkana et Anne. Nous voyons comment prophète et promesse la respecter. Anne, toute calamité, la prier. Si vous, moi, le garçon, ça m'a consacré pour faire service, ou de très tôt, il était amené le prophète là dans ton plan. Et c'est Samuel qui va venir, qu'aucun chien sacrificateur, il juge en Israël, c'est lui qui vient David, qui vient avec conduit là pour le vider, pour le bain David. C'est-à-dire que le monde consacré à, ou pas à jouer avec lui. Bon Dieu, pour qui ça lui consacre? Il y a des bagailles qui dans l'église là, vont ventiler la tête dans l'église là, c'est vous-même les Seigneurs utilisés pour porter le monde qui a vu le cas qui a vu à offrir de la séance. Et vous ne savez pas combien de bénédictions vous êtes en râler sur vous en contribuant à l'œuvre du Seigneur. On a moisson, on a tout travail. C'est ça que bail sans relâche, bail avec joie. Il te dit nous ça. La pauvre monde qui a joué à du feu, qui prend les choses consacrées à la utiliser la défense personnelle n'importe comment. Ça, c'est un jugement pâle. Je dis à. Quand tout le monde a fait, au fin du Seigneur, il y a longtemps, m'a gêné, m'a prié, mais quand tout le monde a fait, vous avez un autre projet pour lui. Son petit monde, vous devez être le pasteur, le prêtre, pour l'entrer dans l'armée. Il n'y a pas que ça. Il vous faut de tout pour construire un monde. Des mondes
c'est prêcher. Bon Dieu, l'Éternel bal don, gen moun, c'est dans courage là, gen moun, c'est don, gen moun. Depuis pas nettoyer l'église, pas baler l'église là, Job gen nous considérer comme ba qui est humiliant. Eh bien, moun ka propre temple l'Éternel là, qui a une valeur, qui a du prix aux yeux de l'Éternel. Pas juger, pas décourager personne, quitter le travail. Ou est comment moun n'a gagné, il vient avec courir avec zèle. Parfois dans les yeux pauvres, on ne peut pas comprendre. Et où elle a fait tout ça, elle a fait parce qu'elle est consacrée pour ça. Mais toujours, parfois, je dis, Seigneur, dans la prière, moi, j'ai besoin de vieux job. Depuis, ou ben moins, premier chèque là, c'est pour vous. Mais quand il arrive, si pas bon Dieu, c'est lui qui est dans le sol, c'est lui qui est dans le loyer. Non, transfert. Nous avons un autre budget, nous toujours doué l'Éternel, nous toujours prêter pour que ça ne se passe pas l'Éternel là. Parfois nous chiche. Parfois nous n'avons pas de respect. Mais en pile fois, toutes conséquences lourdes. En pile fois, nous toujours, comme nous toujours dépenser la prescription. Ce n'est pas peine à proper, même avec l'autre monde qui a besoin de bénédiction. Mais choses consacrées, respect aux choses sacrées, sont des choses qui ont valeur significative maintenant pour nous dans le thème. Parfois, l'Éternel qui est, ou pas qu'à gérer, il prend gestion pour vous. Il met ça le bas, il est obligé de garder dans la banque. Chaque fois que elle arrive, les nouveaux serviteurs débloqués, les débloquants qui baillent pour payer Kaila, pour payer l'école là, ils n'ont pas gagné trop extravagance dans le monde parce que ou pas respecté les promesses. Et parfois, ou est mon Dieu pas bon en abondance, c'est parce qu'elle parle de ou perdu. Parce que si le monde tout abondance à votre tête, ou qu'à partir, ou pas bien temps pour venir l'église, pour venir la chorale, pour prier encore, pour mettre une biblique encore. C'est le monde consacré à l'église. Moun consacré à son monde sont mis à part. Je vois un pile exemple dans la Bible. Bon Dieu, pour lui décider, mander Abraham, fils bien-aimé, en sacrifice. Eh bien, nous venons dans Exode, dans Genèse, chapitre 22, verset 1 à 14, histoire d'Isaac. C'est un épisode biblique de la Genèse dans lequel Dieu demanda à Abraham de lui offrir son fils bien-aimé, Isaac, en sacrifice sur le mont Moria. Eh bien, nous voyons Abraham de faire preuve d'obéissance. Abraham pas gardé jeune garçon pour faire ça dans l'âge mon fait là. Abraham fait preuve d'obéissance. Et la Bible dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel. Il rangea les bois. Il y a son fils Isaac et lui mit sur l'autel par-dessus du bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela, et dit, Abraham, Abraham, et lui répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, il ne lui fait rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu religion par le corps. Et Abraham à la prendre le bélier lui et amener le corps à la place de son fils. Voilà, mes bien-aimés. Maintenant, ce n'est pas nous qui avons décidé. C'est l'Éternel qui pour comprendre saliment des noix, comment l'a décidé, qui se passera pas avec lui. Il est le souverain sacrificateur. Ce n'est pas nous pour décider. Et finalement, l'Éternel tranché, parce que lui, ouais, là, il m'a demandé nous contribuer pour travailler,
gon bénédiction, gon côté mettre la mener nous, gon côté le aller avec nous. Et Dieu y pourvoira. Pourquoi nous pas demander esprit de sagesse, d'intelligence, et nous décider comme bon vous nous semble. Maintenant, après, il lui a fait de la promesse. Nous avons temps, parce que tellement, il vraiment interpellé nous, il a appelé nous à la purification et au respect dû au travail du maître. Pour nous bailler priorité, pour nous accorder toute priorité dans le travail maître là, pour nous contribuer pour l'avancement. Et voilà. Nous-mêmes qui sommes consacrés à rentrer en rébellion, faire preuve d'obéissance à l'Éternel, prononcer. L'Éternel dit des choses qui sont capables de vraiment mettre nous dans une situation pour nous réfléchir. Dans Ésaïe 30, verset 1er, malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. À chaque fois que nous pas fait preuve d'obéissance, à chaque fois que nous pas mettez nous dans situation pour nous comprendre, pour nous respecter, obéir à la parole de Dieu, n'a pas attiré malédiction, n'a pas attiré malheur. Maintenant, nous va dire ça pour nous faire peur, même gens avec l'autre monde, j'en ai pas de là. Mais nous voulons conscientiser davantage. Pour comprendre l'importance, la dimension du travail là, important. Et là, travaille avec joie, avec cœur. C'est ça, bon Dieu, mando pour paix. Pour ces vases d'honneur. Pour ces nations saintes, pour consacrer à l'Éternel. Maintenant, tout est fort, n'a peine à prier, parce que n'a pas cherché un bagage. N'a pas cherché pour nous faire la volonté de Dieu. N'a pas cherché la purification et la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Et là, nous campons maintenant. Shalom, shalom. Déjà, bonne adoration, bon dimanche à chacun.